les Chinois et les Japonais peuvent se rattraper. C'est vrai que le saut donne quand même plus de points, hein. C'est quand même On a souvent des notes beaucoup plus élevées au saut de cheval parce qu'il y a moins de dixièmes, le saut moins, enfin le mouvement dure moins longtemps, donc il y a moins de fautes. Voilà, il y a moins tout de fautes simplement. Tout simplement, donc les notes sont beaucoup moins de plus fautes hautes. Et des difficultés aussi parfois très hautes. Voilà, donc on arrive dans un agrès très très fort pour les Chinois aux anneaux. Ils ont démontré dans les phases qualificatives qu'ils étaient au-dessus du lot. Donc ça promet. On voit ici des forces très très bien maîtrisées, quasiment à l'horizontale, les épaules sont au niveau des anneaux. Grand élan, hirondelle, remontée à la planche. Wei Yang qui est actuellement aux anneaux. Vous l'aurez bien sûr reconnu. Ça se voit quand même, hein, un peu à son style, on arrive à les reconnaître maintenant. Et on arrive double tendu dans les anneaux avec dislocation des épaules. Montée à l'équilibre en force. Grand tour lune. Un mouvement très long, hein. Très très grosse difficulté pour Yang Wei. Et full tendu en sortie. Grosse originalité, c'est l'un des seuls au monde à le faire. Ah oui, c'est très fort. Yang Wei qui était dans l'équipe victorieuse lors des précédents championnats du monde, au cours desquels avait eu lieu la compétition par équipe, hein, puisque ce n'est pas dans chaque championnat du monde qu'il y a une compétition par équipe. La dernière avait eu pour cadre les États-Unis, Anaheim, en 2003.